Et c'est donc parti, fin de l'animation, et je suis en train d'appeler Nico sur Discord. Donc vous le connaissez, Nico. Et Nico a déjà répondu. Nico a déjà répondu, putain, mais c'est magique. Donc salut Nico, qui ne connaît pas Nico? Je pense que tout le monde à peu près sur ma chaîne doit connaître Nico. Je vais quand même sur YouTube, sur sa chaîne, pour vous montrer qui est Nico. En fait, il sévit sur Internet en proposant des jeux vidéo. Et depuis combien de temps maintenant t'en proposes? J'ai commencé fin 2016, je crois. Yes. Je suis pas sûr, hein. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, donc voilà, fin 2016. D'ailleurs, tout à l'heure, je réfléchissais parce que j'ai préparé mon émission. C'est pas vrai. Au moins, je me suis juste dit, alors attends, Nico, combien de jeux il a dû sortir à peu près? Combien de téléchargements il doit avoir par jeu? Je me suis dit, oh là, on va annoncer 1 million sur le live. Est-ce qu'on peut dire que t'as dû avoir 1 million de téléchargements Non. Non, franchement, je pourrais m'appeler et me dire, ouais, parce que personne ne peut vérifier, mais... Ah non, quand même pas, non. Non, parce qu'en fait, par jeu, je fais à peu près 30 000 téléchargements. Ouais. 25, 30 000. Ouais, mais avec tout ce que t'as créé, tu dois peut-être pas en être super loin non plus, quand même. Je sais pas, en vrai, j'ai jamais compté. Je crois que le jeu qui s'est le plus téléchargé, ça doit être Unicorn. Yes. Donc ça date un peu maintenant. Ouais, on doit s'approcher à des 50 000 ou 60 000, je pense. Sur GameJolt, ça avait bien marché. Ouais, nickel. Ouais, voilà, donc 2 millions de jeux téléchargés sur Nico, donc c'est parfait. MDR. Et donc voilà, on a déjà collaboré ensemble sur un jeu qui s'appelle Animavine, qui est dispo sur sa chaîne. Sa chaîne, j'y vais tout de suite dessus, parce que c'est ce que j'avais commencé à faire, quand même. Et c'est le meilleur jeu, parce que Mathieu a aidé au développement. Exactement. Téléchargé, lui, en 1 500 000 exemplaires, c'est incroyable. Ouais, un truc de ouf. Donc, le sérieux super... du jeu, ouais. C'est, je peux pas dire, mais les commentaires étaient juste exceptionnels. Hein. Le nombre de faux comptes que j'ai créé pour dire ce jeu est vraiment top, c'est démentiel, quoi. Le psychopathe. C'est clair. Donc du coup, Nico, jusqu'à maintenant, il faisait beaucoup de jeux sur PC, mais vous connaissez Nico comme je le connaissais aussi, c'est-à-dire jeux PC, et puis il est sort sur sa chaîne YouTube et tout. Même si c'est pas forcément étonnant, il est vraiment passionné par la création de jeux vidéo. Il fait plein de choses à côté de YouTube. Et donc notamment des jeux mobiles, mais ça t'en as déjà parlé dans les jeux que t'as pas montré. T'as montré des protos mobiles qui étaient super intéressants. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi. Et donc j'ai dit, ce serait cool que tu passes en live et qu'on parle justement des jeux mobiles, parce que c'est un univers qui est démentiel comme ça, avec des énormes dollars qui sont à prendre. Mais il y a énormément de monde sur le marché par rapport à ça. Et puis toi, contrairement à moi, t'as développé déjà pour mobile. Et... Quel est le pire truc à prendre en compte quand tu développes sur mobile, en fait? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait le plus chier quand tu développes tes jeux sur mobile et que tu dois les sortir? Alors, je pense qu'il y a deux choses. L'optimisation. Ouais. L'optimisation, clairement. Et en plus, j'en ai fait les frais sur le rage. En fait, je fais les jeux de rage. Je sais pas si ouais, je ouais. Et en fait, j'en ai sorti un sur mobile. Et là, j'ai bien vu que les appareils sont complètement différents. Tu vas avoir un téléphone à 100 euros comparé à 600 euros. Les paires sont pas pareilles. Et donc, ton jeu ne tourne pas de la même façon. Et là, j'ai bien senti que l'opti, c'était vraiment comment dire, fallait vraiment s'y pencher dessus très sérieusement, quoi. Ouais. Si tu voulais avoir un max de joueurs. Et l'autre chose, c'est juste le gameplay, en fait. Tu joues généralement avec une main et généralement qu'avec le pouce. Enfin, à moins de le. Enfin, en tout cas pour les jeux hyper casual et donc moi, ce que j'ai l'habitude de développer. Ouais. Le format paysage est un peu moins utilisé. Quand tu regardes le top 100, t'as pas beaucoup de jeux qui jouent de cette façon là parce que les gens ils jouent, allument, ils jouent quelques minutes et éteignent le téléphone. Yes, c'est vrai que la majorité des jeux, enfin le top 10 on va dire, c'est quoi? C'est du Candy Crush et des conneries comme ça, non? C'est vraiment du j'appuie sur un truc, ça explose et ça passe? Alors t'auras 2-3 jeux comme Candy Crush, mais la majorité c'est encore beaucoup plus simple que ça. Ouais. Aujourd'hui t'as même plus trop besoin de réfléchir, en fait. Hein. C'est tu peux regarder Netflix et jouer à ton jeu en même temps, ou je sais pas, dans la file d'attente. Voilà, c'est plus ce genre de jeu là qui est le plus joué en ce moment. Ouais. Yes. Toi, c'est vrai que du coup t'es parti sur un jeu, je parle pour le Rage Simulator mobile, t'es parti sur un jeu qui est vraiment entre guillemets le jeu classique PC mais porté sur mobile. C'est qu'est-ce que c'est qui a fait chauffer les téléphones et moins puissants? Parce que moi perso j'ai joué sur iPhone, ça passait très bien. Après certains, comme disait Nico, les téléphones à 100 euros, forcément c'est chaud de tout faire tourner dessus. C'est l'optimisation, c'est quoi? C'est graphique avant tout, c'est faut tellement penser global en même temps, c'est chaud. Ouais, en fait c'est un peu tout, hein, je dirais. Tu vois, si t'as des eventiques à droite à gauche qui tournent trop avec trop de calculs. Moi je pense les draw calls par exemple, tu vois, le fait qu'il y ait trop d'appels de matériaux, de choses en genre. Les lodges j'avais quand même bien optimisé. En vrai il y a pas une réponse, c'est un peu tout, quoi, tu vois. Enfin, tu sais, faut tout optimiser à mort. Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
Et puis, faire un jeu de plateforme, enfin. Là, par exemple, il y a le Mario Kart, tu sais, qui est sorti sur téléphone. Je suis ultra bluffé parce que tu as l'impression de jouer sur. Bon, j'ai sur la Switch faite là, mais bon, enfin, le jeu est vraiment très beau, quoi. Puis là, j'étais là en me disant, ah, les bâtards, comment ils ont optimisé ce truc-là? Et puis ton téléphone il reste à 15 degrés, tu sais, ah, putain, pourquoi il chauffe pas? Ouais, grave. Du coup, tu rapproches le radiateur pour essayer de te donner une bonne C'est conscience. ça. Regardez, il chauffe aussi. Ouais, non, c'est vrai, c'est dingue. Après, Ah, ouais, c'est. comment dire, le fait d'avoir du multi-support, ouais, de tous les OS différents, donc iOS et puis Android et compagnie, Ouais. toi, quand tu as géré ton jeu et que tu l'exportes, comment dire, est-ce que tu as des spécificités à prendre en compte pour chacune des plateformes ou UE, entre guillemets, gère tout ça pour nous? Alors ouais, alors ça c'est ce que je pensais au départ, et puis en fait je vois que c'est beaucoup plus dur que ça. Genre là par exemple, bah, moi en fait je travaille avec Voodoo, tu sais, qui est un publisher mobile, et eux leurs tests ils les font que sur iOS. Et moi, tu vois, ouais, et moi je suis un pro Windows, et donc du coup j'ai pas de Mac chez moi. Et rien que ça, en fait, normalement t'es obligé d'avoir un Mac pour développer en fait sur les appareils Apple. Et donc du coup en fait ce que j'ai fait par exemple, tu vois, c'est que j'ai loué un Mac distant, et en fait via le remote en fait d'Unreal, je peux build Ah, c'est mes comme appareils. ça que t'as fait pour faire ton build pour l'Euro Simulator? Ouais, voilà, ouais, c'est Ah, ça, ouais. d'accord. Ok. Et Yes. voilà, ouais, non, mais bon, après, au début, c'est super galère. Une fois que tu le sais, bah, t'as tout de préparé, tu sais. Donc, moi, je touche plus à mes projets, j'ai plus qu'à mettre le jeu et à faire mon nouveau build, si tu veux. Genre, sur chaque compte, j'ai mon projet type, tu vois, qui change pas. Donc, voilà, je loue tous les mois mon Mac et puis je build comme ça, quoi. Non, ouais, tranquille. Toi aujourd'hui, si on te disait, je sais pas, si on te disait, tu n'as pas le choix. Si tu dois faire un choix entre faire du jeu PC ou faire du jeu mobile, je parle dans un instinct de survie pour gagner ta vie en création de jeu. Tu prends quoi? Tu pars sur du mobile ou tu crois encore au PC? Alors, si vraiment je suis en mode faut que je survive ou quoi, en vrai, je sais pas. Je pense que je partirais quand même sur du mobile parce que bah, c'est plus accessible. En fait, il y a moyen d'en vivre via de la pub, mais attention, enfin, ça prend avec des pincettes, hein, parce que c'est pas forcément évident comme ça, mais. Le jeu PC, aujourd'hui, honnêtement, j'ai la chance d'avoir ma chaîne où je peux déjà en parler, mais c'est peut-être plus compliqué, je pense. En fait, ça s'adresse plus à des hardcore gamers, tu vois, que le mobile. Alors, le mobile, bon, il suffit d'avoir la bonne mécanique, et finalement, même un jeu très simple peut prendre, et ça prend pas trop de C'est temps à le clair. développer, quoi. Qu'un jeu C'est PC, il clair. faut vraiment prendre plusieurs mois, plusieurs années. Pour te le faire au final pirater le jour de la sortie, voilà. Oh là là, ouais, non, mais ça, c'est clair. Non, mais alors, dis-toi, si ton jeu est piraté, c'est que normalement, c'est un gros succès. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est fait chier à pirater pour le C'est distribuer, vrai, c'est c'est que vrai. derrière, ouais, c'est Ah un bon jeu, ouais, t'as quoi. vendu pas mal de copies, vraiment, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ouais, putain, ça me fait chier le jeu mobile, en fait. Je me suis pas mis, il faut que je m'y mette, mais j'ai tellement pas envie de rentrer dans la galère de l'optimisation totale. En même temps que si tu t'habitues à développer pour mobile, enfin tes jeux sur PC, ça va tourner à 200 FPS, quoi. Ça va être. Ouais, mais après, là, tu vois, par exemple, je suis en train de repréparer un jeu et j'aime bien mettre un peu de qualité ou du détail, et tu te dis, c'est quand même cool le PC, tu vois. Donc, finalement, en fait, tu t'adaptes selon la plateforme, hein, mais tu iras sur des sphères pour faire des collines, tu vois, dans des jeux mobiles, alors que tu feras un vrai truc avec un landscape, admettons, sur PC, quoi. Sur PC, ouais, carrément. T'as pas eu de retour sur les jeux PC, non? Enfin, je parle de. Il y en a toujours de quelques-uns, mais globalement, t'as jamais eu de. Oh, j'arrive pas à faire tourner le jeu sur PC et tout. T'as toujours opti Ah, de ouf, si! non? Ah ouais, Non, t'en as bah, que. j'ai. J'ai toujours opti de ouf, et malgré ça, en fait, t'as toujours des retours de bugs, Ouais, de bon, les lag ou bugs, quoi. ouais. Mais bon, sur mes premiers jeux, je crois que j'avais beaucoup plus de retours que maintenant, mais parce que maintenant, j'essaie. Bah, tu sais, maintenant, je fais même des vidéos, tu sais, récap de Ben bugs. oui, sur les bugs, ben ouais. Alors, les Ouais, gens, mais ils ça, pensent que c'est je fais une. inciter ta communauté à trouver des bugs pour passer dans tes vidéos après, attention. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Je vais bon, passer dans la ça fait vidéo beaucoup. Nico, je vais lui trouver des bugs. Ouais, mais c'est drôle, tu vois, ça participe à la C'est communauté et tout. clair. Moi, je trouve que c'est stylé, quoi. C'est clair. Mais bon, non, non, mais ouais, effectivement, j'en ai moins, je pense, de retour de bugs ou quoi. Mais en fait, il y en aura toujours. Je fais pas de bêta test, donc bah, tu l'as vu avec Animaville, on le développe en une semaine, la semaine d'après, ça sort. T'as pas le temps, tu fais au max, mais t'as pas Et puis forcément le 2 semaines temps. après, il y a la vidéo des bugs, et là tu fais putain, mais Sam, on l'a pas vu. Ouais, j'ai réussi à aller dans l'eau et tout, je t'avais vu, putain. J'ai retourné la voiture, je suis sorti de la voiture. Et pourquoi tu l'as retourné Ouais. la voiture aussi, putain? Pas Non, y c'est penser, clair. mais tu vois, après les prochaines fois, t'évites de refaire les mêmes bugs, et puis Ouais. bah, y en a d'autres qui apparaissent au final, mais bon, voilà quoi.
Ah, Ça bah bon, s'améliore. à force de sortir les jeux et tout. Ta formation, toi, sur le développement de jeux et tout ça, peut-être, je pense pas que tu en aies parlé en vidéo aussi, me semble pas. Ma formation, j'en ai parlé quand j'avais sorti à la base, quoi. D'accord. Non, Et non, je parle de puis. ta formation personnelle, toi, en... Comment tu t'es Ah, formé, en moi, ce fait, que au je. développement de jeux vidéo, ouais. Alors, eh ben, j'ai regardé une chaîne qui s'appelle Mathieu. Et franchement, j'ai pris en skill en. Et puis sa formation Year One aussi. Ah là, franchement, Ouais, mais putain. faut dire que moi j'ai tout appris de la formation d'un mec qui s'appelle Nico, qui a sa formation sur Udemy, et tu vois, tout est parti de là aussi. Voilà, on a fait notre auto-promotion, merci, au revoir. Non, en vrai, franchement. Alors, tu vois, je vais à la contre-courant de tout ce qu'on fait nous actuellement sur Internet, c'est-à-dire des formations vidéo, mais moi j'ai acheté des bouquins. Et parce que. En fait, ce qu'il y a, c'est que je travaillais beaucoup sur PC, tu vois, toute la journée. Et le Ouais. soir, bah, je voulais pas, genre, regarder des vidéos pour encore plus, tu vois, me casser les yeux devant les écrans. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais le bouquin et je le lisais même pas forcément sur le PC, tu vois. Yes, Et ouais. alors, c'est des bouquins, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de bouquins finalement français, je trouve. Et ça. Même débutant, c'était assez limité, donc très vite après, ça a été les formations américaines, tu vois. Et puis voilà, mais pas d'école, j'ai pas eu tout ça. Et j'aurais bien aimé, mais le destin n'a pas fait les choses comme il faut. Sinon, Donc après, on parlait tout à l'heure de l'école RTFX à Montpellier à 7000 euros l'année, si jamais ça te ouais, dit. bah écoute, on va rester sur les bouquins. Je crois, hein, je crois, écoute moins cher. En plus, on peut les télécharger. Hop, pardon, j'ai rien dit. Non, surtout pas de ça. Ça, c'est clair. Bon, bah, c'est cool. Par rapport, ouais, par rapport aux jeux mobiles, les jeux qui arrivent sur ta chaîne, c'est du mobile ou c'est du PC? Tu parlais d'un jeu là sur lequel tu es en train de bosser. Ouais, non, c'est du PC. PC, Ouais, yes. c'est du PC. Et pour le. Bah, je vais faire un petit. Comment je vais faire une petite avant-première. C'est un jeu que je vais développer avec. Enfin, c'est un jeu sur Sora, en fait, le youtubeur, tu sais, gaming. Ah, ouais. Voilà, donc je me suis amusé à le modéliser en 3D. Là, je suis en galère totale parce qu'en fait, il a les cheveux en pique, tu vois. Ouais. Et bah, juste une tête, je suis à 100 000 faces. Donc là, je suis en mode opti de ouf. Pour en venir à l'optimisation. Mais je sais même pas si ça lui ressemble ou pas, mais bon, en vrai, non, je suis chaud là, je suis chaud. Vas faire quoi? Tu modélises vraiment tout ou tu prends une photo parce que tu avais fait une vidéo une fois où Ouais. tu appliquais en fait la texture sur le visage et tout. Là, c'est vraiment de la Ouais. modée. C'est vraiment de la modée? Ah ouais, c'est vraiment de la modée, hein. Non, Trop non, là, bon. j'ai pris deux faces et de profil, je modélise, et le trois Ouais. quarts pour faire de la projection de texture sur le visage. Trop cool. Et à Trop ça, cool. j'ajoute les cheveux, et puis voilà quoi. Ouais. Génial. C'est prévu pour quand ça, grosso modo? Alors, grosso modo, non, c'est prévu pour Halloween. Ouais. Moi, Halloween, je le fête un peu plus tard. Donc, je Je suis préfère plutôt attendre en pour Halloween. décembre. Voilà, donc Ouais, ça voilà. va. Juste avant Noël, Génial. Tiens, d'ailleurs, ça peut permettre. Est-ce que tu prends un délai en général quand tu fais un jeu et que tu prévois de le sortir, même sans prendre de vidéo, hein, mais tu commences un jeu, tu dis, je le sors dans 2 mois. Tu te prends une marge supplémentaire en général en te disant, bah attends, ça sortira pas là et tout, ou est-ce que Non, tu arrives à respecter ce que tu prévois toujours? plus ça va, plus j'arrive à respecter parce que j'évite de me donner des objectifs de Des malade que projets de j'arriverai fou, jamais. ouais. Ouais, Ouais. voilà. je sais pas pour l'anecdote, je pense qu'on peut en parler, mais quand on a fait Animaville par exemple, bon, il y avait besoin d'un système de tir et Ouais. je t'avais gentiment demandé, et tu avais déjà gentiment accepté. T'avais accepté de le faire, mais tu voulais trop dans les munitions, les machins. Bah, en fait, ce genre de truc, maintenant, j'évite de les faire parce que je me dis, il faut que ça serve que le gameplay. Et puis bon, moi, j'avoue, la majorité des jeux que je fais, c'est pour les vidéos. Donc, en fait, j'ai des Ouais. deadlines de malade, quoi. Et que j'arrive pas à tenir, tu vois, ça va faire peut-être un mois que j'ai rien sorti encore. Ouais, mais attends. T'as Nico, on n'avait jamais bossé ensemble et tout, tu me proposes une collab et tu me dis il faut gérer les armes, je me voyais mal arriver juste avec un line choice et dire tu vois je l'ai tué. Donc du coup j'étais ah, putain il faut que les balles sortent, il faut que ça ricoche, il faut le bruit, il faut le machin et tout. Pourquoi tu fais ça? Ah bon? Ok, passe-moi tout ça, laisse tomber. Ouais, non, 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 line choice c'est bon. Ah ok d'accord merci. Mais en fait, Donc ce qui valait mieux là, c'était mettre plus de features et plus de contenu plutôt ouais. que de travailler chacun des aspects, tu vois. Surtout Ouais. pour une petite histoire comme ça. Puis bon, les gens le prennent avec humour, tu vois. Et bon, ils savent très bien, déjà, c'est un jeu bon qui est gratuit, donc voilà. Et puis c'est pour le délire de la chaîne et tout. Donc, mais c'est Exactement. clair que si je devais sortir un vrai jeu sur console ou quoi, je le ferais pas comme ça c'est clair, Ouais. mais. Non, mais là, l'expérience était super sympa. Ouais. Donc, c'est cool. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai créé un jeu et j'aimerais bien que Nico le teste dans une de ses vidéos. Et bah, moi je suis toujours chaud pour tester les jeux, donc. Ouais, tiens, enfin, il en fait régulièrement des vidéos pour tester le jeu des abos. Donc. Bah ouais, surtout que ça marche bien sur la chaîne. Et moi ça me fait toujours plaisir de les tourner, donc moi je suis grave chaud. Donc bah, j'ai une petite boîte mail hein, qui est là pour ça. Qui est ma boîte Yeah. pro en fait, voilà.
et je regarde tout ça. Nice. Du coup, avec Nico, on est en train de vous préparer autre chose qui n'est pas un Ah. jeu. Ah, on avait déjà un peu spoil en fait hein, en vidéo, que ce soit de mon côté ou du sien. Et en Ouais. fait, on prépare un site qui a pour but de, bah, qui a déjà pour comment dire, pour. Tain, je trouve aucun mot, j'arrive pas à le vendre, je me casse. À toi, Nico, vas-y, je te laisse la main. Qui a pour Alors. merde, pour pas pour destination, pour putain, je trouve vraiment pas. Ah, Pense que de ne c'est. pas en parler, ça aurait fait une meilleure pub que d'en parler en Ouais, fait, je là, tu vois. pense, hein, je pense. Alors en fait, voilà, on prépare un site qui a pour but d'aider la vie de tous les créateurs de jeux vidéo en proposant, en fait, ça va être une interface web ou un site web, vous l'appelez comme vous voulez, mais avec plusieurs services. Et en fait, généralement, ces services, c'est ce que vous demandiez sur Discord principalement, sauf que Discord n'est pas, c'est un réseau social, on va dire, mais ça n'a pas l'interface prévue pour pouvoir gérer tout ça, en fait. Et Voilà. Moi, si je vais le définir, je dirais que c'est un peu l'extension, tu vois, de nos chaînes. Si vous êtes intéressé par la création de jeux de près ou de loin, vous y trouvez votre compte. Il y a moyen de parler avec plein de gens du métier, mais même des débutants, hein, et de pourquoi pas préparer des projets ensemble via des modules qui seront mis en place pour ça. Il y aura le forum, il y aura plein d'autres choses, mais je pense pas que je peux en parler tout de suite. Ouais, tu peux, hein, pour l'instant, on annonce. En fait, je préfère parce que, comme tu sais, il y a des chaînes qui sont spécialisées dans le regardage d'autres chaînes et puis d'essayer d'annoncer la même chose. Donc, je préfère qu'on annonce, au moins comme ça, ouf, c'est nous qui l'avons annoncé, qui le faisons. Ah bon, ah bah d'accord. Ouais, putain, j'ai découvert des trucs. Là, attends, c'est quoi ça et tout. Ben, il y aura des cours aussi. Et comme on pense à nos communautés, il y aura même des cours débutants, qui certains sont même gratuits en fait. Donc c'est de ça que je vais parler aussi sur ma chaîne. Yes. En Voilà, et fait, plein le de choses. but, c'est de proposer pour la partie formation, on va reprendre tout ce qui est tuto gratuit et enregistrer des nouvelles formations gratuites qui seront proposées sur le site. Il y aura des formations payantes comme on le propose déjà sur d'autres plateformes et donc là, elles seront également sur ce nouveau site web. Le but de tout ça, c'est de pouvoir aussi, pour chacune des personnes qui va suivre ces formations, qu'elles sont payantes ou gratuites, ça va permettre de débloquer un petit peu comme dans les jeux vidéo, en fait, des badges ou des achievements, vous appelez ça comme vous voulez. Le gros intérêt de ça, c'est que quand vous allez vouloir, vous, soit rechercher, soit vouloir créer un groupe, en fait, pour créer un jeu vidéo, mais vous recherchez des modélisateurs, vous recherchez des développeurs, etc. Soit bah, vous vous dites, eh ben, après tout, peut-être que moi, je pourrais rejoindre un groupe. Bah, dans ce site, vous allez pouvoir soit créer, soit rejoindre un groupe, et pour chacune des personnes qui va vouloir postuler, etc., avoir les fameux badges, en fait, des spécialités de chacun. Et ça va être super intéressant, parce que là, sur Discord, à ce jour, n'importe qui peut créer un groupe, on sait pas qui il est, on sait pas ce qu'il a fait, on sait pas si c'est son 10e projet qu'il a créé sans l'avoir terminé et tout. Donc là, il va vraiment y avoir un espace de partage social, on va dire, sur les informations et sur la création de groupe et tout. L'entraide sur le forum ou quand vous allez partager sur le forum, quand vous allez aider quelqu'un, par exemple, quelqu'un pose une question sur le dev. Vous aidez la personne dit, Pouah, cette personne-là, enfin, cette réponse-là, elle m'a vachement plu, c'est ce qui m'a aidé. Automatiquement, bingo, il y a un petit point, tu vois, d'expérience qui se met sur la personne qui a aidé. Et sur sa fiche de cette personne-là, eh ben, on va voir qu'elle a ben, un fort taux d'aide en 3D, en développement et tout. Et donc, on va voir, en fait, le niveau, entre guillemets, de chacun. Et ça va permettre la création de groupes homogènes. Et je pense que ça va être super, super intéressant, ça. Et c'est l'idée de bien de Nico, d'ailleurs. Hein, toute la partie création de groupe, ça ne vient pas de moi. Mais c'est vrai que sur Discord, c'est beaucoup demandé. Et là, ça, je pense que ça va vraiment claquer, ça. Oui, c'est ça, c'est un peu un mix de l'espace communauté des chaînes et de Discord, mais avec tout ce qui manque en fait. Ouais, c'est un gros projet, mais on va le construire au fur et à mesure, et avec la communauté, avec leur tour aussi. Ouais. Ça peut envoyer du lourd, carrément. J'en ai David qui nous dit enfin un forum. C'est vrai que la question du forum, elle est revenue. Enfin, c'est vrai que moi, je suis très axé tuto par rapport à Nico sur la chaîne. Donc forcément, il y a beaucoup de questions par rapport à comment on dev qui viennent sur ma chaîne et sur mon Discord. Et souvent, enfin souvent, la question du forum est venue, puis elle repartait, puis elle revenait, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées tous les jours qui sont exactement les mêmes. C'est vrai qu'un forum permettrait de mieux adapter ça. Et là, pour le coup, il y a beau avoir un côté un petit peu vieillot à un forum. Bah, il faut avouer que pour les métiers qu'on fait, que vous souhaitez faire par rapport à la création de jeu, enfin, c'est une bible quoi le truc. Et alors que Ah oui, sur clairement. Discord, c'est un peu comme Twitter, hein. Tu aides, 10 minutes après, bah, ça parle, ça parle, ça parle. Ce que tu as aidé, c'est parti, et bah, une nouvelle personne arrive à le même problème et ça ne le voit pas. Donc c'est vrai que ça permet vraiment de faire ça. Un peu Ah comme AnswerHub, mais en FR. Ouais, c'est exactement. On appelle ça forum, mais parce que historiquement, c'est un forum, mais c'est exactement ça, ouais. Exactement ça. Et si ça vous hype, il faut nous le dire, que ce soit sur la chaîne de Nico, que ce soit sur ma chaîne, il faut absolument dans les commentaires
que vous parliez de ce site. Comme ça va nous booster encore plus pour le sortir. Moi, je vais peut-être en parler, enfin, sur ce même sujet, d'ailleurs, que j'en parle dans ma prochaine vidéo, essayer d'avoir un peu les retours. J'avais déjà fait dans une Ouais. vidéo un peu FAQ, mais je l'avais fait en fin de vidéo et tout. Et donc, bon, c'était vraiment aux prémices du projet, donc je n'osais pas trop en parler. Mais maintenant que c'est beaucoup plus concret, j'ai hâte d'avoir les retours et les premières idées. Et puis voilà. Et Et puis, c'est puis très bien. voilà, dernière chose dont on n'a pas parlé qui sera super intéressante aussi sur le site, c'est le marketplace. Et ça, c'est Ouais. cool. C'est-à-dire que si tu es modélisateur 3D, si tu es développeur, si tu crées de la musique, si tu es musicien, si ta passion, c'est de prendre ton micro, d'aller dans la rue, d'enregistrer des sons et compagnie qui peuvent être utilisés dans les jeux vidéo, si ta passion, c'est le dessin, si ta passion, c'est enfin, pas le doublage de voix, mais l'enregistrement audio, tu vois, genre, je sais pas, tu sais imiter quelqu'un, Nicolas, ou pas toi? Alors pas du tout. Et Voilà, bon. je prendrai pas ce risque. Donc, mais si vous savez prendre des voix de jeu, ben comme j'ai fait dans le jeu Everstop avec Maxella, où il y a Maxime de Retake qui a enregistré des voix dans le jeu, tout de suite, si tu veux, ça impacte à fond. Donc, ben, si tu as cette capacité à changer comme ça ta voix, tu vas pouvoir déposer tout ça sur le site, tu vas pouvoir le vendre. On est parti, c'est pas encore fait, mais je vous présente l'idée. Il y aurait deux choses, l'achat en euros et l'achat en monnaie interne du site. La monnaie interne, en fait, c'est si toi tu déposes des trucs, tu vas avoir une monnaie interne qui va te permettre d'acheter d'autres choses. Pourquoi pas élargir le truc? Là, je vous donne les idées pour vous montrer la globalité de ce qu'on veut faire vraiment communautaire. La personne qui va aider à mort sur les forums, qui va faire ça, ben pourquoi pas lui donner cette fameuse monnaie virtuelle quand il aide beaucoup pour, voilà, pour inciter tout le monde à aller sur le site et que ce soit vachement vivant, c'est le but. Et que voilà, que vous puissiez présenter vos œuvres après, que ce soit en audio ou en dev ou en modé et tout. Mais il y a tellement de métiers différents dans un jeu vidéo que tout regrouper comme ça au sein d'un site, enfin, on pense à Nico que ça peut être. Tu vois, Ouais, comme ça. putain, eh, ça c'est le jingle. T'as vu? Ça va être. Notre site, il est comme ça. Voilà. Voilà, c'est Simple, efficace. à interpréter. Donc voilà. Est-ce que tu penses à quelque chose d'autre qu'on n'a pas dit sur le site? Est-ce que tu penses à quelque chose d'autre qu'on n'aurait pas dit sur la création du jeu mobile aussi? C'est un sujet qui est super lourd, hein, le marché du jeu mobile. Mais c'est vrai qu'on en parle peu et je pense qu'il va falloir que j'y vienne moi aussi sur ma chaîne. Alors concernant le site, déjà pour aussi la continuité par rapport à ma chaîne, on peut retrouver dans le marketplace et ce de manière gratuite les personnages, tu sais, des jeux que je crée, donc Ouais. je vais pouvoir télécharger, puis ils seront déjà rigués et tout, donc il n'y a plus qu'à s'amuser un peu avec eux. Tu vois aussi, c'est bien quand on commence à créer des jeux, c'est aussi d'avoir les assets prêts plutôt que de devoir les créer tout ça, déjà mettre en place un jeu. Vite le réaliser, et puis ça fait une satisfaction très rapide, et puis on apprend beaucoup mieux comme ça, donc c'est aussi à ça que j'ai pensé. Carrément, ouais, carrément. Plutôt que de Et passer 4 heures à apprendre à modder, apprendre à dev, à tout. ouais, et puis concernant le jeu mobile, c'est une expérience intéressante parce que plutôt que de. Bon, on travaille la forme, c'est sûr, mais on va surtout travailler le core gameplay parce qu'il faut que ce soit super efficace. On switch de jeu très très vite quand on joue sur téléphone, on désinstalle très vite aussi, même si le jeu est Ouais. un petit peu lourd, s'il nous fait un peu chier, bah hop, on le désinstalle. Ouais. Donc c'est encore plus vicieux, je dirais, tu vois, plus sournois qu'un jeu PC où un peu de décor et très souvent c'est très joli, tu vois, où il y a beaucoup de cinématiques. Bon, pas bah, sur un jeu de téléphone, il n'y a pas tout ça. C'est core Ouais, gameplay ou rien, quoi, presque. Donc c'est ça. voilà, c'est super intéressant et c'est pas facile, mais c'est intéressant. Voilà. Carrément. Mais c'est vrai que le coup de mettre tes personnages sur le marketplace en gratos, ça, c'est à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir voir. Ah, oh, putain, les assets de Nico! Tu vois le nombre de vidéos. J'ai fait un jeu avec les personnages de Nico. Ah mais moi ce serait un truc de Mais fou de tu voir ça. m'étonnes, Hein. tu m'étonnes. Un truc de fou. Moi s'il y a ça, je fais des vidéos que là-dessus, quoi. Mais C'est le voilà, il n'y a mec. plus de jeu à créer. Putain, c'est beau ça! Oh là là. Eh mec, merci. Hein. Bon, si vous voulez des vidéos, bah faites des jeux, hein. Moi, je ferai des vidéos dessus. Putain, c'est beau ça, c'est beau. Trop bon. Bon, bah, ça marche. Bah écoute, ça a été un plaisir à nouveau de te recevoir. Bon, nous, on va rediscuter de toute façon pour la suite du jeu et tout. On vous tiendra au courant sur nos chaînes respectives, comme on le disait. Est-ce que vous avez une paire de questions pour Nico, par exemple, avant qu'il parte? Profitez-en. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un. Je suis désolé, mais je l'ai vraiment lu. Le labyrinthe. Voilà. Le quoi? Je sais pas, quelqu'un a mis le labyrinthe, point Ah, d'interrogation. ouais, peut-être le film, je pense, non? Ah, ça va être le film, ouais. Tu l'as vu, il est bien? Ouais, mais non, je l'ai même pas vu en plus.
mais ceci explique cela, putain. Bah, question qui n'a rien à voir, mais aussi tu peux installer Unreal sur Mac et ça fonctionne très bien. Tu peux même passer tes projets de ton PC sur Mac. Il n'y a qu'une chose par contre, oublier dans vos variables et tout, les accents, tous les caractères spéciaux, parce que le Mac il ne veut pas de ça. Donc Ah, voilà. mais le Mais Windows aussi, il galère là-dessus parfois, hein. ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, moi j'avais un dossier qui s'appelait projet jeu vidéo, tu sais, avec le Ouais, et ben avec le E, ouais. parfois tu fais pas build, hein. Ouais, hein. Donc ouais, de façon générale, zapper les espaces et les caractères spéciaux, comme ça vous êtes tranquille. Mais après tu peux. Par contre ça chauffe, hein. Attends, c'est quel jeu que j'avais. Putain, je sais plus, j'avais compilé un jeu sur le Mac qui est derrière moi en fond, et en fait il est derrière moi en fond, parce que vous le voyez pas. Mais ça a tout brûlé, il y a plein de lignes horizontales sur l'écran, et c'est suite à la build d'un jeu sur Mac. Ça me l'a grillé le truc. Ah ouais, il est monté en. Il a chauffé comme jamais, il a chauffé le truc, et l'écran est devenu comme ça, et depuis c'est comme ça. Donc faites attention quand même. Louer des Macs, comme fait Nico, c'est plus rentable, je pense, que de faire cramer votre truc. Nico, est-ce qu'on peut créer un jeu aussi bien que vous, sans formation Udemy? La question est bizarre. Je pense que c'est avec sa formation Udemy, est-ce qu'on peut créer des jeux plutôt? Alors non, c'est impossible. Franchement, impossible. Il faut une formation et qui plus est celle de. Bon, ça a complètement bugué par contre ton Discord. On a juste entendu non, c'est pas possible. Je te rappelle. Ça marche. Donc ouais, j'en profite du coup. Il y a Trop Nico qui bien. a aussi une. Ah, mais c'est peut-être moi qui buguais en fait. Ouais, bah en fait, j'entendais bugger beaucoup, mais je pensais que c'était moi. Mais comme j'ai un décrypteur interne, j'arrivais à savoir ce que tu disais en fait. D'accord, ok. La Là, ça classe, va. tu l'as. Ouais, là c'est bon, je vois que c'est vert. Donc ouais, du coup, Nico a aussi une formation qui est sur Udemy. Et voilà, donc n'hésitez pas, vous allez sur Udemy, vous tapez Nico. Et donc voilà, pour l'instant il la vend, peut-être qu'il la mettra totalement gratuite sur YouTube dans un mois. Non, je déconne. Là il est en train de dire, putain, qu'est-ce Ta gueule. Non, je plaisante. Non, mais il a une formation qui cartonne en plus, c'est sévère, hein. C'est la formation numéro 1 en française Non mais sur non mais Udemy. c'est bon. Non mais merci. Ouais, tu peux continuer. Non mais c'est bon, merci. Non, mais elle est meilleure que la mienne en plus. Putain, t'as vu comme je. En fait, pourquoi tu m'as invité au final, Je genre? sais pas, je suis en train de me poser la question là, c'est de la merde. Non Bon, on mais peut faire. pour répondre sincèrement à la question, je bug, non, non, c'est bon. Non, non, Pour c'est bon. répondre sincèrement à la question, est-ce qu'on peut créer un jeu aussi bien que vous sans formation Udemy? Bah oui, parce que, alors aussi bien que nous, déjà c'est très flatteur, merci. Bon voilà, mais nous on n'a pas eu nos propres formations pour apprendre, donc en vrai c'est possible. Nous c'est juste une facilité qu'on a mis en place pour les gens qui veulent une formation en français et des gens que voilà qu'on connaît bien de YouTube, voilà. Mais ça va pas plus loin. Et puis surtout qu'on est à des prix très abordables, donc voilà. Mais c'est pas un must-have, hein, on peut très bien faire sans. Exactement. On peut faire sans. Après, il faut juste, de toute façon, peu importe la formation que vous allez prendre, il faut être patient. C'est-à-dire que c'est pas au bout d'un mois que vous saurez réaliser un jeu. Moi, perso, la première formation que j'ai prise, qui est de Christopher Murphy, si je dis pas de conneries, qui d'ailleurs maintenant travaille pour Epic Games, elle est sur Udemy, sa formation. Je l'ai achetée. Je pense que 6 mois après, je comprenais toujours la moitié de ce qu'il disait. Non pas parce que c'est en anglais, mais parce que j'étais là. Mais pourquoi il fait ça? Mais ça sert à quoi et tout? Donc, commencez par des choses simples et puis évoluer petit à petit. Et après, oui, vous pourrez très bien faire des jeux comme on fait. Il y a aucun problème. Nico, feras-tu un RPG avec donjon, niveau ennemi, quête et pourquoi payant si cela prend beaucoup de. Et pourquoi pas payant, pardon, si cela prend beaucoup de temps? Je sais pas si. Bon, en fait, ça peut être super sympa de donner ton point de vue, puis on terminera là-dessus, parce que je veux pas abuser de ton temps. Mais c'est vrai que Nico a pas mal, fait pas mal de jeux pour sa chaîne qui forcément ont. Un format qui fait que tu peux pas passer 6 mois sur le développement du jeu, mais à côté de ça, est-ce que à ce jour, Nico, tu as un jeu ou des idées de jeu vraiment qui seraient pas typés YouTube, mais que tu aimerais sortir? Tu as des trucs vraiment en tête précis où tu te dis, ouais, je veux en faire un, mais je sais pas encore forcément ce que c'est? Non, en fait, j'ai eu un retour d'abonné, tu sais, sur un des projets que je n'avais pas créé. Alors, bon, il y avait le labyrinthe, mais Ouais. faut que je le dise tôt ou tard, hein. C'est que le labyrinthe, malheureusement, à mettre en place, c'est une horreur. Et j'ai malheureusement pas aujourd'hui ni les financements, ni l'équipe pour créer ça. Donc, gros stand-by dessus. Mais par contre, il y avait un jeu qui était beaucoup plus, enfin, qui avait beaucoup plu et qui est plus facile à mettre en place, c'est le jeu, tu sais, de Switch 2D 3D. Alors, bon, je te dis ça comme ça, mais je sais pas si ça te parle ou pas. Bah mais totalement. Et on m'en parlait en plus. On parlait sur mon Discord encore hier de ton jeu à toi, enfin de la partie de la vidéo où tu présentais ça. Ouais, bah ça, j'ai vraiment. En fait, quand je l'ai créé, pour moi, j'allais vraiment, comme tous les jeux, j'allais vraiment le terminer, hein. Mais en fait, le retour d'abonné m'a vraiment donné vraiment envie de le terminer. Alors,
à faire, c'est très difficile, tu vois, parce que bah faut vivre en fait, hein, tout simplement, et Bah que tu peux pas passer tout ton temps là-dessus. Mais si j'arrivais à trouver le moyen de le dev, franchement, c'est un truc que je ferais vraiment. Voilà, bon, il y a beaucoup de pixel art, c'est aussi un domaine que je connais pas trop, ouais, mais c'est ouais, c'était un. beaucoup de boulot le pixel art. Mais t'avais demandé, je crois Ouais. d'ailleurs, s'il y avait des personnes qui taquinaient le pixel art et tout ça, de prendre contact avec toi, si je dis pas de conneries, dans une vidéo. Oui, ouais, j'ai demandé. J'ai pas eu beaucoup de retours, à vrai dire. C'est là le problème. J'ai demandé, mais tout le monde s'en tape en fait. Non, mais les gens sont plutôt intéressés pour voir le jeu que je crée plutôt que, Voilà, tu pas vois. pour en créer, ouais. Mais bon, bah, la requête est toujours d'actualité. Donc, si vous êtes de ce milieu-là, vous traitez ça bien, bah, moi je suis grave preneur. Yes. Voilà. Ce sera pas moi pour le pixel art, pour la partie jeu, pas de problème, mais j'avoue que le pixel art, putain, quand je vois le temps que ça Ouais. prend, quand tu avais fait le personnage, tu sais, avec les quelques premières animes et tout, putain, c'est fou le temps que ça prend, quoi. Bah, c'est ça, c'est qu'il faut faire en pixel art, donc image par image, et en plus de ça, il faut le convertir en 3D. Et moi, en fait, je faisais un système même de layers, c'est-à-dire que les cheveux étaient au-dessus de la tête, et puis ensuite, tu avais genre le sac dans le dos, tu vois. Donc, c'était double Ouais. travail, en fait, tu vois. Ouais, Et c'est hard, ouais. C'est clair. ouais, c'est très très hard. Mais bon, ça fait. Déjà, regardez, c'était très joli, je pense, sans me jeter des fleurs, tu vois, mais en tout cas, Ouais, des carrément. retours que j'avais, c'est ça. Et puis, ah, suffisait de trouver une histoire, tu vois, avec un bon message ou quoi, et franchement, ça aurait pu faire un plein de jeux, mais. Ouais. Gros stand-by, mais ouais, c'est pas pour répondre à ta question, ouais, c'est ce jeu-là qui vraiment me donne envie de terminer, absolument. Good. Good. Bon bah écoute, merci beaucoup Nico pour cette soirée avec toutes tes réponses à ces questions. J'ai eu une putain d'excuse sur le labyrinthe, donc ça je vais le découper et je vais en faire une vidéo je crois. Le labyrinthe, la réponse de Nicolas. Pouah, tu vas voir ça un peu. Tu mets plein de trucs épiques à la fin, bah non, je l'arrête. Voilà. C'est ça. Tu peux m'envoyer une photo de toi, tu sais, je vais rajouter la bonne vieille goutte bleue là sur ton front et Ah ouais, ah le ouais. labyrinthe. Si ça marche, je fais ça. Un peu sur le côté, puis la goutte. Ouais. D'accord, vas-y, on fait ça. Ben ouais, c'est. Carrément. Il annonce la vérité. La vérité est sortie. Ouais, faut qu'on trouve un titre comme ça. Ok, ça marche. Ouais, ça marche. Bon, allez, ça marche. Je reviens vers toi demain, du coup, pour la suite. Et ben Et. avec plaisir, et je te souhaite la bonne soirée et la bonne continuité dans ton live. Je pense qu'il est terminé bientôt, non? Je dis pas de Il est bêtises. terminé, voilà. Je vais faire un Ok. petit au revoir et puis il sera terminé, yes. Ok, bon, on garde tous ton au revoir et je le dis également au revoir à tout le monde et merci beaucoup d'avoir été présent et puis à demain, hein, et puis salut. Merci, Nico. Ciao! Ciao, ciao.